بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Salam alaikum wa rahmatullah ala umma. Nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que dit la sunna sur la perte de temps. Nous l'avons démontré précédemment. La perte de temps est considérée en islam comme l'un des plus grands fléaux qui peut s'abattre sur le fils de Adam. Le temps constituant la plus grande des richesses que nous possédons en ce bas monde. Chaque seconde qui passe pourrait être comparée à une pépite d'or, car chacune de ces secondes, nous faisons le choix de la vivre comme nous l'entendons, et la conséquence de ce choix sera éternelle. Un jardin d'Éden plein de délices et de plaisirs peut s'offrir à nous, comme un châtiment sans fin et une tristesse infinie. Afin de nous faire réellement comprendre l'importance et la grandeur du temps, Allah a envoyé des prophètes et messagers qui n'ont sans cesse exhorté leur peuple et les incité à revenir au chemin de la droiture, à l'adoration du Seigneur unique et à faire le bien autant qu'ils le pouvaient. Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, est le sceau des prophètes et messagers. Si les prophètes étaient venus avant lui révéler la bonne parole à un peuple précis, son message, lui, est universel. Allah l'a envoyé comme un exemple et une miséricorde pour les deux mondes. Sa vie, ses paroles, ses choix et ses prises de position sont un modèle à suivre pour tous les croyants qui doivent s'évertuer à marcher sur ses traces. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons y étaient extrêmement vigilants, au point de ne dépenser leur temps que dans les actes utiles et constructifs pour la vie éternelle. Dans un premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique le déroulement du jour dernier. Le serviteur ne fera pas un seul pas le jour du jugement dernier sans qu'il soit interrogé sur 5 choses. Parmi ces 5 choses, son existence dans quoi l'a-t-il passé? Sa jeunesse dans quoi l'a-t-il dépensé? Authentifié par Sheikh Al-Albani. On apprend donc, dans cette traduction, que le serviteur sera interrogé sur son existence et sa jeunesse. Pour quelle raison le prophète alayhi salatu salam a-t-il cité la jeunesse après l'existence, alors que la jeunesse est comprise dans l'existence? Certains savants ont répondu à cette interrogation en disant que l'homme était capable dans sa jeunesse des adorations les plus éprouvantes telles que les veillées nocturnes, Qiyam al-Layl, les journées de jeûne, les pèlerinages, les retraites spirituelles et i'tikaf et autres actes qui deviennent pénibles au cœur humain passé un certain âge. Il est dit dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi d'après Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de mort sans qu'il soit pris de regret ». Il fut dit parmi les compagnons, quelle est la cause du regret? Si la personne était bienfaisante, alors elle regrette de ne pas l'avoir été plus. Et si elle était parmi les personnes malfaisantes, alors elle regrette de ne pas s'être fait pardonner. Le savant, l'érudit Ibn Rajab, rahimahullah, a dit, si tel est le cas, en parlant de l'importance du temps chez le musulman, il est indispensable à tout croyant de considérer ce qui lui reste de son existence comme un trésor. C'est pour cela qu'il fut dit, ce qui reste de l'existence du croyant n'a pas de valeur. Il est rapporté de Saïd ibn Jubayr qu'il a dit « Chaque jour que vit le croyant est un trésor ». Un hadith surprenant et grandiose nous montre également à quel point le temps est l'enjeu le plus important de notre vie. Si nous devions donner une valeur à tout ce qui nous entoure, alors le temps serait inestimable. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'on ramènera deux hommes le jour dernier. Le premier sera celui qui aura le plus profité de la vie d'ici-bas. Cet homme sera alors à peine trempé en enfer, l'espace d'un court instant. Puis il lui sera dit, ô fils de Adam, as-tu vu un seul bien dans la vie d'ici-bas? As-tu connu un seul plaisir? Il dira, non, par Allah, mon Seigneur. Et l'on ramènera l'homme qui a le plus souffert dans l'humanité dans la vie d'ici-bas. Puis il sera trempé un court instant au paradis et lui sera posé la question inverse. Ô fils d'Adam, as-tu vécu une seule souffrance? As-tu vu une difficulté? Il répondra, non, par Allah, mon Seigneur. Aucune misère ne m'a traversé et je n'ai connu aucune difficulté. Rapporté par Muslim dans le chapitre de la description du jour dernier, du paradis et de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit qu'il y a deux bienfaits où beaucoup d'hommes sont lésés, la santé et le temps libre, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On voit à travers cette parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit le temps libre comme étant un bienfait et une bénédiction. Un bienfait pour lequel beaucoup d'hommes se méprennent sur son usage et son exploitation. La gestion de ce bienfait, qui est le temps, se fait également dans le temps. Rien ne sert de travailler par à-coups, comme certains font. Ils sont pieux à certaines périodes de l'année, puis dilapident leur temps dans le péché et l'insouciance le reste du temps. Cela, en agissant de la sorte,
estiment que leur temps dispose de la même valeur que la distraction. Le temps est à l'image d'un investissement, à l'image d'un homme qui dispose d'un capital de plusieurs milliers d'euros et qui souhaite l'investir dans des projets qui lui rapporteront mieux que ce qu'il a. Nous avons du temps et nous investissons dans ce qui nous semble être important à nos yeux. Ainsi, en partageant le temps entre les péchés et les actes d'adoration, c'est comme si nous investissons cette richesse que nous détenons en la divisant en deux choses qui nous semblent équivalentes ou égales. L'investissement du capital temps que nous avons se doit d'être exclusivement pour Allah. Comment investit-on son temps pour Allah? En perpétrant des actes d'adoration, d'abord les obligations, puis les surérogatoires, comme l'a indiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith suivant, dans lequel Abu Hurayra rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah puissant et sublime dit « Je déclarerai la guerre à quiconque se montre hostile à l'un de mes alliés ». Parmi tous les moyens employés par mon serviteur pour se rapprocher de moi, rien ne m'est plus agréable que la pratique de ce que je lui ai imposé. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Une fois que je l'ai aimé, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il combat, son pied avec lequel il marche. S'il me demande alors quelque chose, je la lui donne, et s'il me demande ma protection, je la lui accorde. Aucune chose ne me fait hésiter plus que prendre l'âme de mon serviteur croyant. Il déteste la mort et je déteste le blessé. Al-Bukhari. Ainsi, en capitalisant notre temps dans les actes d'adoration obligatoires puis surérogatoires, comme le présente ce hadith, nous gagnons en contrepartie l'amour d'Allah. Et existe-t-il plus beau retour sur investissement que celui-ci? Maintenant, une question demeure. Comment investir son temps? Doit-on donner beaucoup pendant un certain temps, puis ensuite baisser en rythme et en cadence, comme le font beaucoup de nos frères et sœurs pendant le ramadan? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhorta ses compagnons en leur apportant ce précieux conseil. Ô vous les hommes, entreprenez les œuvres que vous pouvez supporter, car Allah, qu'il soit exalté, ne se lasse pas. Et c'est vous qui vous lassez. L'œuvre la plus agréable auprès d'Allah est celle qui perdure, même si elle est minime, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. L'œuvre qu'Allah aime le plus est l'œuvre qui perdure dans le temps, celle qui est investie durant une période longue et sans fin, et non celle qui survient soudainement d'une partie de la vie puis ensuite disparaît aussitôt. L'endurance est l'allié du croyant. Qu'en est-il concrètement de ceux qui investissent leur temps dans des choses qui déplaisent à Allah ou dans des distractions inutiles et sans intérêt? Selon Mu'ad ibn Jabal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute assise dans laquelle le serviteur n'évoque pas son Seigneur le Très-Haut sera pour lui le jour du jugement un remords. » Demandons donc à Allah de faire en sorte que le jour dernier ne soit pas un jour de remords pour nous. Demandons-lui également de nous faire comprendre la noble sunna de notre messager et de nous faire mourir sur cette dernière. Pour suivre cette série ô combien bénéfique, nous vous conseillons de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos futures vidéos. N'oubliez pas de liker la vidéo afin de la faire monter en tendance et de permettre au plus grand nombre d'en profiter. Plus la vidéo sera likée, plus YouTube la proposera en première page. Et n'oubliez pas, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur le temps en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.